laissé sous-entendre qu'on risquait de vivre une grande rencontre ce soir lors de la présentation. On ne s'est pas trompé. Et c'était le bon choix. Inutile de vous dire que les supporters de Carignan vont faire la fête très très tard ce soir. Voilà, de Jeumart, il y a certains qui ne sont pas encore rentrés. Vous direz l'avantage, c'est qu'avec l'heure d'hiver qui est imposée, on gagne une heure. Et sera bienvenu ce soir à Carignan. Et soyez certains qu'ils sont tous au courant de ce changement d'heure pour bien en profiter. Jim Potter qui manque, 85-75, Jean-Marc Jomin. Pas de contact évidemment. Ronny Bayer, tentative à 3 points, une dernière. Non, et Stevie Benz avec une dernière possession, mais victoire, superbe victoire, il n'y a pas d'autre mot. 74. Souvenez-vous du résultat. Michel Durieux en parlait dans le sujet Jim Potter. C'était la surprise. Et bien cette année, c'est Ostend qui s'incline ici à Carignan. Et tout de suite avec Jacques Delisle, on a Jean-Marc Jomin. C'est à vous, Jacques. Oui, Jean-Marc est avec moi. On n'a pas retrouvé le caméraman qui évidemment l'a perdu au milieu de la foule. Donc je vais lui poser les quelques questions. Jean-Marc, c'est la première défaite d'Ostend cette saison. Toutes compétitions confondues, bien sûr. Comment l'avez-vous ressenti? Comment avez-vous senti qu'à un moment vous perdiez vraiment le contrôle de ce match? Il faut dire que Carignan a joué excellemment le coup. Ils ont fait tourner le ballon pendant les 30 secondes. Nous on commençait à devenir impatients, on croyait que ça allait être facile ou quoi, puisqu'on a gagné 13 matchs de l'affilée. Alors on s'est dit on va jouer, on va pas être ici, on va essayer de gagner quoi. Mais bon, c'est toute la différence. Carignan a joué comme nous on joue. Nous on a joué petit et voilà quoi, ce qui peut arriver quand on joue à part avec le même engagement qui est le nôtre durant tout le championnat. Pourtant on sait comment on est accueilli à Carignan justement. Est-ce que on sait comment on est accueilli à Carignan généralement? Est-ce que vous n'étiez pas prêt peut-être encore moralement ou est-ce que vous vous attendez pas à un accueil comme celui d'aujourd'hui? Oui, à Carignan c'est le chaudron quoi, c'est, je crois que c'est la salle où il y a le plus d'ambiance en Belgique. Il y a les supporters qui supportent l'équipe pendant tout le match, qu'ils soient en dessous, qu'ils soient devant. Ça, il n'y a pas de problème, c'est le meilleur public en Belgique après les notes.